le premier plat sera un des plats signature, la sardine de la tête à la queue. Donc, la recette a été créée il y a maintenant 6-7 ans, facile. Donc, bah, les souvenirs d'enfance, hein, comme je vous expliquais, avec la sardine crue et la sardine grillée chez mes grands-parents. Puis, un de nos produits phares aussi de la région, hein, les petites sardines sablaises, là, la petite sardine qui est mouchetée, qui est tout simplement délicieuse. Il y a un poisson très fragile et très dur à travailler parce que déjà, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. En même temps, il faut travailler sur la mentalité du client qui va la consommer. Et puis, une caisse de 3 kg de sardines, ça prend énormément de temps à travailler. C'est vrai qu'un bar de 3 kg, en 5-10 minutes, c'est levé et c'est portionné. 3 kg de sardines, vous êtes 3 dessus pendant 3 heures, quoi. Parce qu'il faut lever en filet, il faut gratter, il faut vider. Désarrêter, faut enfin voilà, ça prend du temps, mais c'est un très très beau poisson. Donc il y a certaines préparations qu'on a fait un petit peu en amont parce que autrement fallait venir la veille voire l'avant-veille. Donc avec Quentin, on va commencer. Donc je vous explique un peu les produits. Là, on a travaillé la sardine fraîche. Ça, c'est des sardines qu'on a fait fumer, salées, fumées, après qu'on a mis en déshydrateur. Pour faire une sardine séchée, légèrement fumée. Après, on a les perles du Japon qui sont cuites dans notre bouillon de sardine. Donc, le thème de ce plat, en fait, c'était utiliser tout le produit, toute la sardine. Donc, on va travailler les arêtes en croustillant. On va le travailler en tartare. On va travailler les sardines en marinée, d'autres juste quadrillées à la grille fine, que d'un côté, pour avoir un côté caramélisé et pour apporter d'autres saveurs. Et après, le bouillon avec les perles du Japon, les petits champignons, et on travaille les algues. Pourquoi on travaille les algues avec ce plat-là? Parce que moi, j'aime bien faire les recettes avec l'élément où vit le produit ou l'élément avec lequel se nourrit le produit. La sardine est un poisson pélagique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un poisson pélagique? Ça veut dire s'il arrête de nager, il se noie. En fait, il respire en nageant, parce qu'il n'a pas de vessie natatoire. Comme le lieu qui peut s'arrêter de nager, et il continuera à respirer. Tout ce qui est thon, tout ce qui est sardine, tout ce qui est anchois, tout ce qui est maquereau, il faut que ça nage pour pouvoir respirer. Donc pélagique. Ça se nourrit de quoi la sardine? Ça se nourrit d'algues et de plancton. Donc on travaille les légumes marins. Parce que les algues et les plantes marines sont des légumes. Et qu'est-ce que ça apporte? Vous renforcez le côté iodé. Et c'est très responsable parce que pas besoin d'arroser, pas besoin de terre arable, pas besoin de traiter. Et ce sont des légumes qui sont très très sains et remplis de vitamines aussi. Alors en France, ça arrive depuis quelques années, mais il y a certains pays comme le Japon où c'est existant depuis des lustres. Donc on va commencer par la bavaroise. Ouais. Donc on va mettre notre crème à foisonner et à monter. Donc, on fait une bavaroise de sardines. Donc, en fait, on fait notre base de sardines légèrement fumée, crémée. Donc, on fait notre crème de sardines. Ensuite, on va incorporer à cet appareil notre crème montée et un petit peu de gélatine pour pouvoir la stabiliser. Alors, on en a fait une hier, parce que le temps que la gélatine prenne au froid, tout ça. Mais on va vous faire voir quand même le fonctionnement et le montage. Donc pour moi, la crème montée, on commence quand même gentiment à l'aérer, pas y aller à fond directement. Il faut faire rentrer le maximum d'air. Donc moi, j'aime bien commencer avec un fouet qui ne tourne pas non plus trop trop vite, quoi. Pas trop précipiter les choses. Donc en attendant, si on va faire notre mélange pour notre tartare de sardines. T'as un petit cul de poule, Benoît? Ah, c'est bon. Donc le tartare de sardines, hein, sardines levées, taillées au couteau en salpicons. Alors après, ce qui est important, c'est encore une fois, hein, c'est la fraîcheur du produit, quoi. C'est, on dit que le poisson, ça sent, mais ça sent juste le côté iodé. Et, un poisson qui sent, c'est un poisson qui est pas frais, en fait. Hein. Ouais, non, mais voilà, ça sent bon. Mais c'est vrai que les gens travaillent peu le poisson chez eux. Parce qu'il y a toujours cet a priori aussi de l'odeur et de tout ça, quoi. Donc, tartare de sardines. Donc, pareil, nous, on est vraiment
Quand on crée une recette, la vision qu'on a, c'est de, comme un bijoutier pourrait avoir, on choisit la pierre et après on fait le montage du bijou avec l'écrin vraiment pour sublimer la pierre qu'on aura choisie. Moi, je ne veux pas cacher les produits, mais si on mange de la sardine, il faut que c'est goût de sardine. On n'est pas là, on va vraiment à l'essentiel. Et ce que me disait M. Robuchon, le plus compliqué pour un chef, c'est de réussir à faire simple. On a tendance toujours à rajouter, à rajouter, à rajouter. Mais en fait, moi, j'ai pris toujours comme modèle le vin et le fromage. Le vin, c'est un cépage, un terroir, la main de l'homme et le verre avec la bonne température pour le servir. Mais on ne va pas rajouter d'épices ou de trucs pour faire pétiller, pour apporter du sensationnel. Et le fromage, c'est la même chose. C'est un pain, une bonne température et le savoir-faire de l'homme avec son terroir et sa culture. Pour moi, la cuisine, c'est comme ça. Si je vais au restaurant, que je choisis une langoustine, je veux que c'est goût de langoustine et je veux de la langoustine. Donc, le salpicon de sardine. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. On va mettre une huile d'olive, jus de citron. Poivre, un peu de piment d'Espelette, en hommage, et un petit peu de sel fin. Alors les produits comme ça, quand ils sont ultra frais, les produits marins, pour le sel, il faut y aller quand même par parcimonie, hein, comme je vous expliquais. Il y a encore sa salinité naturelle qui est présente, mais il faut quand même être un petit peu en dessous qu'un assaisonnement classique. Donc, un tout petit peu d'échalotes ciselées, pas de trop, et un petit peu de ciboulette. Donc ça, on laisse tempérer comme ça, et on laisse mariner, on va dire, une dizaine de minutes. Pas trop la cuire. Plus on laisse mariner, plus on enlève le jus par l'acidité et l'assaisonnement, en fait. Et on perd le moelleux et on perd un peu le goût... Le goût d'origine. Là, on a réalisé notre bouillon de sardines. Donc, on va avoir une vinaigrette qui est faite avec les têtes de sardines. Le bouillon, il est fait avec les ventres de la sardine. Pourquoi les ventres de la sardine? Parce que c'est l'élément du poisson qui a le plus de goût, qui a le plus de gras. Et qui va faire ressortir pour un bouillon les arômes. Donc, un tout petit peu de bouillon dans une petite casserole. Un peu de perles du Japon pour les infuser. Quelques champignons, gnocchi. Et pour renforcer en saveur iodée, pour cuire tout ça, on incorpore un petit peu de dulce. Un petit peu de laitue de mer de chez Cédric. Et quelques haricots verts de mer. Ça, c'est pareil, on fait une langoustine en ce moment. Donc, c'est haricots verts de mer et haricots de terre. On mélange les deux, en fait. Et là, les autres petites algues, celle-là, je ne sais pas si vous connaissez. Ce qu'on appelle de l'algue groseille. Donc, très croquant en bouche par ses petites boules. Et assez surprenant et très, très bon. Donc là, on va laisser juste infuser, que ça nous cuise très légèrement les champignons. Et après, on va laisser de côté jusqu'au dressage. Là, on va lancer nos cristallines d'arêtes. Alors, les arêtes, là, elles sont crues. Donc là, les arêtes, elles ont été bien grattées à l'eau claire pour enlever le maximum de chair, pour pouvoir les faire frire. Alors, la friteur pour tout ce qui est arête, alors tout dépend de la taille de votre arête. Mais on cuit à peu près à 140 degrés.
que c'est le temps de cuire jusqu'au bout, que tout soit bien croquant et croustillant, en fait. Et selon la raie ou la carapace que vous avez, il faudra peut-être diminuer les températures pour pouvoir emmener sans que ça colore de trop, mais que ça cuise l'intérieur, en fait. Donc, pas besoin de farine, rien. Juste tel quel, comme ça, et, bien épongé, sel fin à chaud. Comme ça, après, on est tranquille. Donc, les sardines. Donc là, celle-là, ça sera pour nos sardines marinées. Donc là, on les arrose un tout petit peu, hein, toujours pareil. Hein. Pas trop les cuire non plus. D'huile, jus de citron, hein, le plus simple possible. Un peu de fleurs de sel, un peu de poivre. Et on va faire pareil des deux côtés, en fait. Donc ça, c'est un plat aussi qu'on a au menu dégustation. Donc ça veut dire qu'on en fait à peu près 80 assiettes par jour. Donc de la sardine, on en passe entre 9 et 14 kilos bruts par jour. Donc ça prend du temps. Donc la marinade, bien sûr, des deux côtés, hein, pour qu'il y ait une cuisson à froid à peu près uniforme. Et ça, vous voyez, malgré que ça soit un plat signature, c'est un plat qu'on enlève l'hiver. On pourrait avoir des sardines, mais ce n'est pas la saison. Et on ne pourrait pas avoir les quantités. Et puis, il n'y aurait pas la perfection de goût comme elles sont aujourd'hui, parce qu'elles ont remangé, elles ont pris du gras et elles sont son petit mom, quoi. Tu es prêt pour la... Donc là, on va vous monter. Tiens, mets-toi là. On va monter la bavaroise. Tiens, vas-y. Et après, on. Vas-y, je te laisse incorporer. Et après, on vous fera voir pour faire la vinaigrette de sardines. Donc là, il a foisonné sa crème. Là, c'est notre base de bavaroise. Donc, une crème infusée à la sardine fumée, tout simplement. Filtrée. Gélatine. Et après. On aère à la crème montée. Donc, on a pris le temps pour foisonner. Donc, on a une crème qui est montée légèrement serrée. Et le but principal, pour que ça soit très aérien, très vaporeux, donc le foisonnement de cette crème est très important. Et après, comment on va incorporer le produit à notre base. Faire rentrer encore à chaque fois le maximum d'oxygène, hein, pour que ça soit le plus léger possible. Et après, ce qu'on fait, une fois que tout est incorporé, on débarrasse ça dans des petites boîtes, ou une petite boîte, ça nous fait 5-6 assiettes à chaque fois. Mais avant de pouvoir faire la quenelle, quand on va prendre une petite boîte, on la retravaille à la cuillère pour la débloquer un petit peu, quoi. Et là, on a quelque chose de très vaporeux, et le crémeux avec le gras de la crème fait ressortir aussi les saveurs iodées. Et après, moi, je me suis toujours beaucoup rapproché de mes producteurs. Par exemple, si on prend les huîtres de Monsieur Papin à la Tremblade, c'est Yves, toi, comment tu préfères manger tes huîtres? Alors, il dit, cru, comme ça, avec des crépinettes de cochon grillées au barbecue. Et c'est vrai que le côté terrien est un rehausseur des saveurs iodées et marines. Une Saint-Jacques boudin noir, une huître aux saucisses. À une époque, on faisait anguille, cacao, boudin noir. Ça marche à merveille. Et ça fait ressortir, en fait, les saveurs iodées. L'alliance un peu terre-mère. Notre langoustine, on travaille avec les jambons de canard qui sont dans la chambre de maturation, là, derrière le rideau. Là. D'ailleurs, je peux vous faire voir. Donc, on fait tout ce qui est nos jambons de canard pour notre langoustine. Donc, jambon de canard, hein, pareil, hein, salé, 12 heures, séché, posé sur grille 24 heures au frigo pour enlever l'humidité, fumoir à bois en haut, cerisier. Et puis après, on règle notre taux d'hydrométrie et on fait sécher nos produits. Vous voyez, derrière les canards, j'ai mes jambons de bar qui sont en train de sécher, en fait. Là, on a commencé sur du bar et d'ici un petit mois, on va passer sur les premières bonites parce que ça fait encore plus la forme du jambon. C'est ça. Donc on lève le poisson par le ventre,
Une fois levé, on désarrête. On enlève la peau. Moi, je fais un sel avec différentes épices. Un peu de pimientone dedans, ce qui permet de teinter le poisson un peu comme ce côté rance, le gras du jambon qui devient un peu jaune-orange. Et puis après, libre cours, ce qu'on veut. Hein. On pourrait faire un sel aux algues pour l'ioder encore plus. Il y a tellement de choses, ou aux agrumes, ou voilà. Et c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on travaille dessus. Et on a découvert pas mal de choses et c'est assez intéressant. Ça ouvre encore un panel. Il est plutôt pas mal. Donc voilà, il a tout incorporé, il a mis en petite boîte. Derrière, donc, on va lancer notre vinaigrette de sardines et puis nos cristallines. Tu poileras les filets. Donc pour la vinaigrette, donc là, on va la faire avec les filets. D'habitude, on prend les têtes de sardines. Donc très très chaud, huile d'olive, bien les caraméliser pour les cuire. Après, thermomix, vinaigrette classique, hein, sel, poivre, monté à l'huile d'olive, chinoisé, et ça nous fait une vinaigrette de tête de sardine qui est comme ça, quoi. Bon, ce qui sert vraiment de condiment, et encore une fois, tu renforces avec le goût du produit originel. C'est ça qui est plutôt important. Donc les arêtes, hein, donc à peu près 140 degrés, on laisse gentiment jusqu'à une coloration uniforme, bien dorée. Ce qui est presque le plus compliqué à cuire sur l'arête de sardine, c'est pas sa colonne vertébrale ni les arêtes, c'est surtout les pointes de queue. Qui sont un peu plus longues à cuire. Donc après, bien sûr, égoutter et assaisonnement sel à chaud. Donc là, la vinaigrette, donc bien caramélisée, et puis après, vinaigrette classique. Après, nous, on travaille vraiment la saisonnalité des océans. Donc, ça veut dire, on travaille les choses quand elles sont prêtes à être mangées. Et comme à la pêche, hein, on a sauvé des coups de pêche juste par attention, parce qu'il faut quand même observer la nature aussi. Et je trouve que c'est la nature qui fait les cartes, en fait. L'hiver, vous avez les poissons ternes. Le merlan, le lieu jaune, ça marche avec les légumes ternes, hein, les racines, la truffe. Dès que le printemps arrive, on passe l'été aux légumes de couleur. La tomate, la courgette, l'aubergine, le rouget, le maquereau, les poissons de couleur. Donc c'est la nature, hein, en fait, il y a juste à regarder. Et puis les algues, pour les travailler donc avec Benoît en pâtisserie, nous on a suivi les couleurs. L'adulte, ça marche à merveille avec les fruits rouges. On faisait un sorbet framboise dulce, délicieux. La laitue de mer, ça marche avec le citron vert, les choses comme ça. Couleur avec couleur, en fait. Et je trouve que la nature fait bien les choses. Donc après, on va commencer gentiment le dressage. Là, la sardine séchée, fumée, on va en couper des petits morceaux. Parce qu'en fait, on va saupoudrer la garniture de champignons et perles du Japon et algues qu'on va serrer dans le petit bol. Et en fait, on saupoudre de sardines fumées pour rapporter encore un peu de vigueur au moment que le serveur verse le bouillon dans le petit bol devant le client. Et tu vas voir, dès qu'il se réhydrate dans le bouillon, ça change complètement de saveur et de goût aussi. Hein. Là, on a quelque chose d'un peu pailleux. Et tout de suite, il regonfle avec l'humidité du jus. Et tu as quelque chose qui est plutôt intéressant.
Ouais, et puis bon, ce qui est plaisant dans la sardine aussi, c'est que dans les étoilés, on n'en trouve pas non plus sur toutes les cartes aussi, quoi. C'est un poisson un peu voilà, à revaloriser. Et moi, tout ce qui est poisson bleu, c'est mon poisson préféré. Ben c'est ça, ouais. Après, on pourrait s'amuser, hein. On pourrait servir les écailles encore plus. On pourrait les écailles, pareil, hein, juste frit, 140 degrés, délicieux. Donc là, on met notre petit mélange dans le bol de perles du Japon, d'huile, c'est une mer. Là, on va faire une première assiette. Après, on vous en dressera une ou deux pour qu'on puisse goûter voilà, tous ensemble. Dessus, on va mettre un petit peu de notre tartare aussi, qui sera poché instantanément par le serveur quand il va. Là, on a concassé légèrement notre sardine séchée fumée. Donc on arrose, on saupoudre. Tac. Donc là, on a nos cristallines qui sont sorties de cuisson. Après qu'on aura fini, Quentin, on fera une ou deux assiettes de plus. Ouais. Donc les sardines sont marinées. Hein. Nous, on met à mariner 5-10 minutes, pas plus. Voilà quoi. Alors pareil, au moment de l'envoi, on remet toujours un petit coup de fleur de sel pour avoir le grain, le côté croquant aussi, parce qu'on est quand même sur un plat où il y a pas mal de fondant. Donc on va en mettre deux marinés. On fera les griller vraiment au dernier moment pour les avoir bien chaudes et bien tempérées avec la cuisson qu'il faut. Là, la vinaigrette de sardine. Vous les mangez souvent crues, les sardines? Ou souvent cuites? Ouais. Et même en tartare, hein, c'est vraiment bon. Voilà, les arêtes. Tac, tac, tac. On rajoute. Ben, je trouve que tu as plus le goût originel, en fait, hein. Ouais. C'est vrai que la cuisson, c'est assez. Donc les algues, un petit peu d'huile d'olive pour les assaisonner légèrement. Pas besoin de sel, hein, vous vous doutez bien. Et après, vous savez comment vous faites pour conserver des algues fraîches? Vous les assaisonnez, ouais, au gros sel dans un seau. On était en train d'essayer là de créer. Ben, c'était via un reportage. Cédric avait ouvert un seau de laitue de mer conservé dans le sel. Et en fait, nous, on en a fait derrière une fermentation à la bière comme une choucroute. Ça marche super bien. Ouais. On a fait ça dans les petits pots. On a goûté à 15 jours, on a goûté à un mois, on a goûté jusqu'où on pouvait pousser. Non, bière, comme une choucroute classique. Ouais. On a rincé nos algues, fermenté à la bière dans un contenant. C'est pas mal. Ouais, vraiment. Donc, voyons, on travaille voilà, les algues juste en garniture, en fait.
Donc ça chauffe, ça. Salaud. Non, on n'a pas froid. Donc on a la clim en cuisine, au moins pour les mises en place. Donc nous, on assaisonne tout à la fleur de sel, en fait. Après, on a un deal avec les sauniers. Vous voyez, c'est vraiment tac. Hein. Aller-retour. Pour avoir encore le côté... En fait, ce qu'il y a, c'est que ce que je trouve intéressant avec cette cuisson très très forte, ça te permet de ferrer. Et vu que la sardine est remplie d'oméga 3 avec un gras, tout de suite ça prend une ampleur de goût. Ça rancit un peu ce gras-là. Quoi. Et ce côté, on le sent hein, de toute façon. Hein. Tu vois, t'as tout de suite un côté ferreux, barbecue. Donc, petit coup de lustrage à l'envoi. Et au moment, fleur de sel. Et après, dressage. Bon, tu peux y aller, hein, Quentin. Tu peux y aller. Et donc, on finit avec la bavaroise. Donc, une quenelle. Et après, on dépose l'arête croustillante. Donc voilà comment le plat arrive en salle. Donc on dépose voilà le bol avec le bouillon, l'assiette, et après le serveur il vient. Et puis dans les champignons et les algues. Donc on les a cuites dans le bouillon de sardine en fait. Et puis on verse le bouillon dessus pour pré-cuire légèrement rosé le petit tartare et puis laisser infuser cette bonite fumée séchée dedans aussi. Et puis le mélange des algues qui apporte un peu tout l'écosystème en fait. Donc voilà, sur un petit poisson, ce qu'on peut faire dans l'assiette. Donc on a fait ce dessert qui est le dessert du menu dégustation. Donc qui est chocolat, algues nori. Et vous allez voir l'alliance côté iodé de l'algue. Alors, ce qui est le plus compliqué là-dedans, c'est encore une fois le dosage. On la sent, mais ça prend pas le pas non plus. Et on travaille tout comme ça. On a un dessert agrumes, hareng fumé. Donc, poudre de peau de hareng fumé, les agrumes. Alors, avec toutes nos agrumes qu'on a, main de Bouddha, tout ce qu'on veut. Hein. Et crème glacée au hareng fumé. Ça, c'est pareil. C'était le dosage à trouver pour que ça soit assez excellent. Donc, avec Benoît, il travaille beaucoup dans ce sens-là. Et... un dessert qui est sur le chocolat, mais tout en légèreté, très percutant. Et après, on a un service en salle, donc on a fait comme une tête de moine de chocolat, grand cru. Et après, le serveur, il vient saupoudrer aussi les copeaux de chocolat au moment devant le client. Donc vas-y Benoît, voilà. Je te laisse. Okay. Donc je vais vous présenter deux recettes aujourd'hui à base de crème, donc la crème président qu'on va utiliser. On va faire deux foisonnements, un à froid et un à chaud, une mousse chocolat chaud. Et à froid, ce sera la mousse à l'algue nori qu'on va faire infuser. Donc on va commencer par la mousse froide. Ce sera une crème anglaise de base dans laquelle on va mettre 50% de crème, 50% de lait. Et on va partir sur une base très classique, donc jaune sucre qu'on va blanchir. Ensuite, on fait chauffer, donc on porte à ébullition le lait et la crème.
on en verse une partie. Juste pour la dissolution du sucre. Ensuite, on remet en cuisson et on va pasteuriser tout ça à 85 degrés. Donc là, on va faire infuser de l'algue nori dedans, mais cette recette, elle est applicable pour plein d'épices, d'herbes, de fleurs, de... Ultra pratique, ça donne un résultat très crémeux, onctueux, léger. Et on se sert d'un siphon pour foisonner tout ça. Très pratique quand on travaille dans une cuisine où il fait assez chaud parce que ça permet de garder la crème bien froide dans une cuve en inox qu'on peut sangler éventuellement dans la glace. Donc on a vraiment une texture tout au long du service qui sera adaptée. Donc là, je suis à 82, je réduis le feu et ça va monter tout doucement à 85. Là, c'est bon. Du coup, je mets l'algue nori à infuser dedans. Donc, on a choisi l'algue nori qui s'accorde parfaitement avec le chocolat. L'algue nori, c'est une algue rouge en fait, qui au séchage devient verte ou noire, ou même les deux parfois. Et qui a vraiment des notes de thé vert, thé matcha, c'est vraiment assez... On est vraiment sur quelque chose de... La terre, quoi, qui, avec le cacao, on a trouvé que l'accord était magique. Ça se mange, ça. Non, c'est là. C'est un joli accord. Là, je vais juste mettre un coup de mixeur pour homogénéiser tout ça. C'est que l'algue nori, on n'a pas le droit de faire d'élevage de cette algue-là, à part si tu ne rejettes pas les eaux. Parce qu'en fait, si tu rejettes les eaux avec les spores, ce n'est pas des algues qu'on a dans notre région. Et ça a tout bouffé. Voilà, donc ça part en infusion. Ouais, après, ça sera un invasif, ça va tuer les eaux. On va la laisser 5 minutes. Ouais. Donc, tu peux le faire, mais pour recycler tes os et pas les rebalancer en mer. Et en attendant, on va passer sur la mousse chocolat chaud. Mousse chocolat chaud, là par contre, on est sur 100% crème. Hein. J'ai mis 1 litre de crème qu'on va porter à ébullition avec un peu d'agar-agar. Sec, hein, tu le sens, après, de toute façon, c'est buté, hein, légèrement fumé un peu, tu vois. Donc l'agar-agar, ça va nous permettre d'avoir une tenue à chaud. La crème va foisonner et elle se tiendra grâce à l'agar. Mais ça arrive vraiment. Ça, 75. Donc une bonne ébullition pour cuire l'agar. Derrière, tu vois, acidité aussi. Ouais. Non, ça arrive avec. Non, c'est l'ancien chocolatier de. Voilà, donc ensuite je verse sur mon chocolat pour réaliser une ganache. Donc, ganache, c'est une émulsion hein, entre deux parties qui sont non miscibles à la base. Donc, le chocolat et l'eau qui la crème contient l'eau, et le chocolat, le gras. Donc, on va émulsionner tout ça comme une mayonnaise. Voilà, ça crée un noyau au départ. On voit bien l'émulsion qui se fait, l'homogénéisation entre le chocolat et la crème. Et on va également incorporer des blancs d'œufs. Voilà.
Donc là, Benoît incorpore des blancs d'œufs dans sa ganache. C'est pour pouvoir réaliser le siphon chocolat, en fait. Le blanc d'œuf, avec la pression du gaz, s'émulsionne et apporte beaucoup plus de légèreté. Et comme on peut faire, par exemple, des mayonnaises chaudes pour les poissons au siphon, c'est qu'au lieu de monter votre mayonnaise sur un jaune d'œuf, vous la montez sur un blanc d'œuf. Comme ça, vous pouvez le maintenir à moins de 60 degrés. Et ça vous fait une mayonnaise chaude, en fait. Donc là, chinoiser pour éviter les petits grumeaux, les petits morceaux. Mmh. Très susceptible de rester. Merci. Voilà, donc là, on va remplir notre premier siphon. C'est celui-ci. Donc préparation assez simple, hein, trois éléments. Il faut que ce soit homogène. Voilà, comme l'a dit le chef, surtout pas de grains, parce que dans les siphons, ça peut boucher. Et après, dans le siphon... Trop rempli non plus, pardon. Après, vous avez le choix, une, deux cartouches, selon la texture que vous voulez apporter à votre siphon. Plus vous mettez de gaz, plus ça sera léger et aérien. Voilà, et après, on maintient au bain-marie pendant tout le service à 70, entre 70 et 80 degrés. Ensuite, donc, l'infusion de la nori, on va la filtrer. Il y en a qui veulent sentir avant qu'on la filtre. 5 minutes, c'est comme du thé. Ouais. Ouais, pareil, vraiment comme le thé. Pas trop chaud non plus. Ouais, là on était à 80. Parce qu'autrement, tu fais ressortir que le goût amer. Mm. Allez-y, hein, si vous voulez sentir comme ça en infusion. Le nori, là, et comme disait Benoît, c'est vrai qu'en sentant, je trouve qu'on est. Eh bien, c'est les arômes de thé matcha, là. Voilà, je vais remettre un petit peu de mixeur dans le chinoisé. Après, ouais, ça, c'est une base de recette. Hein. Après, c'est aussi à vous de décliner. On pourrait très bien, dans le même principe, faire un granité. Faire infuser dans son eau, sirop. Ben voilà, après, c'est un panel qui est assez grand. On pourrait en faire une gelée aussi. On pourrait en faire... Là, c'est vraiment pour faire voir une base pour la pâtisserie. Quoi. Et donc, on des odeurs un peu de foin. Ok, c'est pour moi. Et voilà, dans ce bout-ci, donc, on va mettre deux cartouches. Tiens, Quentin, je peux te donner ça. Et ensuite, on va passer au dressage. J'explique un petit peu ouais. Tes cristallines aussi. Du coup, alors, sur l'assiette, on a posé des pétales réalisés avec une opaline cacao et algues nori. Donc, l'opaline, on appelle. C'est un caramel, tout simplement, enfin, un sucre cuit, en fait, à 160, peu coloré, dans lequel on va incorporer, du coup, de l'algue nori séchée, du gruet de cacao et de la fleur de sel et un peu de chocolat.
Et tout ça, ça va faire une grosse masse de caramel, du coup, qu'on va étaler très finement sur plaque pour pouvoir le broyer ensuite. Ça va réaliser une poudre. Cette poudre, on la saupoudre sur un tapis cuisson et repassé à 160, le caramel va fondre et on peut lui donner la forme que l'on veut. Donc, soit en faisant des empreintes à la base, avant cuisson, ou soit en découpant une fois cuit. C'est modulable à volonté. Voilà. Donc, Quentin, donne-moi la glace. Ça, les deux barquettes. Super, merci. Donc, dans ces pétales d'opaline, on va y placer un sorbet au chocolat. On a réalisé avec donc c'est un sirop, au sucre, poudre de cacao et un chocolat à 75%. Ensuite, on travaille avec le pacojet, mais ça marche aussi en sorbetière. Donc on pacosse l'ensemble et on moule donc en demi-sphère des petits glaçons. Et ceci, c'est une crème glacée à l'algue nori. Donc, on est parti un peu sur la même base que la crème anglaise, sans les œufs. C'est lait, crème, sucre, glucose atomisé pour la stabilisation, dans laquelle on a fait infuser l'algue nori également, mixée, filtrée, et transformée en glace et moulée en glaçon également. Donc, le siphon... C'est pareil, là, on moule des glaçons pour une bonne raison, pour que la crème glacée soit assez compacte, soit assez dure, parce que dessus, Benoît va venir emmener son siphon chaud. Donc, en fait, le temps d'emmener en salle, vous avez après un cœur coulant au milieu, voilà. Tout à fait, voilà, ça va être la base du dessert, le glacé. Donc, par-dessus, le siphon à l'algue nori. Vous voyez la texture un peu onctueuse que je vais pocher par-dessus mes glaces. Donc sur cette mousse algue nori, on a fait déshydrater de l'algue nori encore une fois pour donner un peu plus d'intensité et je vais parsemer de poudre. Donc ça va vraiment être comme un condiment. Vous allez tout de suite, la première bouchée de cette pétale, ça va être l'algue nori à fond et ensuite on va arriver sur la rondeur du chocolat parce que la crème glacée va arriver et le côté gourmand, croquant des pétales. Et pour assaisonner le tout et rééquilibrer le dessert, ça, c'est un caramel citron nori. Donc, c'est un caramel à sec, déglacé avec du jus de citron, dans lequel je viens faire infuser aussi de l'algue nori. Ensuite, filtré. Et ça va être le côté peps du dessert. Voilà. Et... Donc, le travail que réalise le chef en ce moment, c'est fait en salle, bien sûr. On a des serveurs qui taillent des copeaux à l'aide de la girolle à tête de moine et qui viennent parsemer ce dessert. Et dans ce chocolat, donc, on a intégré aussi de la poudre de nori et de la fleur de sel. Et donc, on va passer à la mousse chocolat chaud. Et qu'on vient agrémenter de gruée de cacao sablée au sucre. On réalise un petit sirop, on fait revenir notre gruée de cacao, on le fait sécher ensuite et on ajoute de la fleur de sel.